Et coucou tout le monde, c'est Kips, j'espère que vous allez bien. Moi comme d'habitude, je suis toujours aussi contente de vous retrouver pour ce 12e épisode sur notre série de The Last of Us 2. Alors la dernière fois, on avait quitté Dina au théâtre et on était parti à la recherche d'Abby et de Tommy, mais ça n'avait rien donné. Donc on va bien voir ce que le jeu nous réserve. Sans plus tarder, c'est parti. Ok les amis, on se retrouve en pleine scène d'infiltration. Je me demande comment ça va se passer. Il y en a une là... Il y a sûrement des chiens à mon avis. Ouais, il y a carrément un chien. Et en plus, dans les autres herbes, je le vois pas. Ils l'ont trouvé. On va les aider ? Non, elle est là. On reste en position. Ouais, il est là, le chien. Bon, il est cramé, le chien. RIP. Ok, tu viens par là, toi. On a de la visite. Hop, toi t'es dead. Ok, le chien il est plus vivant là. Et il y a une dernière personne, non? Dans ce coin là. Est-ce qu'on peut la faire sortir? Hop. Non. Il y a personne ou pas? Parce que pour l'instant je vais prendre ça. Ah ok, ok, j'ai bien fait de pas sortir. C'est une blague. Ah bah quand même. Je peux plus fabriquer de flèches. Ok, est-ce que je peux fabriquer ça? Non. Ok, je suis plus ou moins bien. Non, range ça, Ellie. C'est pas ce qu'on veut. Ok, je vais sortir de ma cachette. Putain, cette musique, elle te met dans l'ambiance directe. Tu peux pas être zen avec ça. Par contre, faudrait que je fasse plus de tirs en pleine tête parce que mes flèches, je vais jamais les récupérer, quoi. Est-ce que je peux rentrer dans la maison? Il y a quelqu'un ici ou pas? Waouh! Ils te mettent dans une ambiance, mais c'est dingue! Tu peux pas... Tu peux pas être tranquille, c'est mort. Tu sais pas si les ennemis vont surgir à tout moment. Ok, ça on prend. Il y a des trucs ici, enfin des méchants, non. En plus ça grince le parquet. On va sortir en mode camouflage. Mais pour moi, là, il n'y a personne, en fait. Je me panique un peu pour rien. Oula. Attends, c'est où, c'est que ça se passe? C'est ici? Ou pas du tout? Parce que j'entends qu'il se gare, mais... Ça, on va pas passer par là. Et non plus. Ok. On peut passer par là ou pas? Non. J'ai loupé un épisode. Où vais-je? Arrêtez avec votre musique, je suis pas bien. Plus par la droite. Je sais pas où passer. Au secours! Putain, elle va tellement à fond, elle aussi. Ah, par ici. Je pense. Ah merde, il y avait une brique.
Ok les amis, on se retrouve ici dans cette zone de combat. On va bien voir ce que ça va donner. Est-ce que je peux faire des flèches? Non. Je peux faire un cocktail. C'est pas si mal. Mais ça va être tendu. Ok. Ah, il y a un chien là-bas. Je vais essayer de leur balancer le cocktail. Ouais, c'est bon, ça a marché. Ça fait déjà ça en moins. Quadriller toute la zone. Attends, là on voit pas. Bah, à votre avis, ça a cramé, les gars. Logiquement, elle a pas pu me voir. Ok. On est safe. Il y a quelqu'un dans les environs. Le trait est toujours là. Elle nous fixe. Salut madame. Ou monsieur, je ne vois pas très bien d'ici. Tu décales ou pas? Parce que... Ah si, j'ai peut-être ramassé une brique là. Tu vas venir ou pas? Ok. On prend le pompe. On n'est pas trop dégueu. Maintenant, faut trouver les autres aussi. On va aller par là-bas. Ok. Après, c'est bizarre qu'ils aient pas réappliqué si on avait d'autres ici. Mais s'il y a de la musique, c'est qu'il y en a forcément. Faut pas se faire d'illusions. C'est Ellie qui fait ce bruit-là ou pas? Oula. Ça a frisé. J'ai du mal à savoir où il y en a. Mince. Il y a un truc ici. Ok. Merde. Qu'est-ce que je vais faire? Au moins ça veut dire qu'il y a personne, parce que sinon ils auraient débarqué. Mais dès que je vais approcher une nouvelle zone, à mon avis, ça... Il va revenir. On va devoir sauter par cette fenêtre, je pense. Ok. Là, on a nettoyé la zone. C'est déjà bon signe. On peut rien crafter d'autre, non? On prend la bouteille. Merci. Quoi, c'est ici? C'est où? C'est par ici ou... C'est en bas. Je me rends pas compte. Ok. Ok. Oh mon dieu, ils font peur. Oh mon dieu, j'aime pas du tout. Ah, le chien, il va défoncer la barrière là, il va sauter au-dessus. Non, il peut pas sauter au-dessus, il est barbelé. Est-ce que c'est une zone où je dois courir aussi?
Après, je peux peut-être le distraire, le chien. Ouais. Je vais run avant d'être allé. Je vais essayer, hein. Je passe par où? J'ai fait de la merde. J'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Ah putain! J'ai fait n'importe quoi, les gars. J'ai fait n'importe quoi. Je savais pas où aller. Mais je sais pas où aller, comment être calme en fait. Enfumez-la ! Putain, non ! Ok. Ah non ! Non, non, non ! Tu m'emmerdes pas, toi ! Putain, mais on voit rien. Je vise comme une merde. Je vise n'importe comment. Ah là, je suis nulle. Vraiment, je suis nulle. Ah, je croyais que c'était un chien. On voit que dalle en plus. C'est pas évident du tout. On voit rien. Au secours. J'aimerais bien voir au moins un mec, en fait. Parce que là, ça se dissipe. Ok. Il y a plein de cadavres. On va prendre ça, c'est beaucoup mieux. Toi, t'aimes rien me donner. Ça, on peut charger ou pas? Non, on peut pas. Ok. Je suis focus là, j'ai eu si peur. Les mecs, ils sont ultra chauds de me faire ça. Je sais même pas où je dois passer du coup, en fait, j'ai été traumatisée. Genre là, je suis sortie, mais est-ce que je dois remonter? J'ai pas envie de remonter, hein. J'ai envie de me barrer d'ici. Je vérifie quand même qu'il n'y a pas une sortie. Non, ça aurait été trop beau. Ouais, non, hein, je suis obligée de remonter, hein. Ok. Parce que j'ai couru au hasard, mais... Ok. Oula. C'est quoi? On retombe dans la planque. Vas-y. Crève-toi. Une machette, c'est trop bien. Ah, mais encore la cavalerie là-haut, en fait. Je suis loin d'être au calme, hein. C'est horrible comment ça me stresse. Ok. On retente de sortir, les gens. S'il n'y a pas encore quelqu'un qui va me foncer dessus.
Ah putain, il y a les chiens. On voit rien. Faudrait que j'améliore mes capacités. Ok. Je sais pas ce qui se passe. De toute façon, pas le choix. Il faut y aller. J'ai trop peur d'avancer. Ok, ils sont là. Ils viennent ou pas? Mais là, je suis repérable de ouf. Ok. Oh non, c'est qui? C'est Tommy? C'est Tommy, c'est sûr que c'est Tommy. Ou Jesse. Tommy ou Jesse. Tu peux me dire ce que tu fous là? J'ai Jesse. Yes. Comme si j'allais vous laisser partir seule. Trop mignon. Jesse. Oui, Dina. Elle est en sécurité. Mais toi, tu vas mourir. Elle est juste malade. Comment ça, malade? Enceinte. Elle va bien. Bon, ça va, on a un compagnon. Ça va, tu tiens le coup? Elle est là en PLS. Tes potes me sont tombés dessus. Sans même un avertissement. Dis-moi que t'es pas venu tout seul. Et si? Tu m'engueuleras plus tard. T'es vraiment trop con, j'espère que tu le sais. Ouais. Bon. Tu vois cette bagnole? Faut la prendre. C'est ça ton plan? Il faut qu'on se tire d'ici. Ok. T'es prête? Ouais. Et toi, il est déjà en train de se battre? Ah non. Ouvre l'œil. Ouais, ouais. Qu'est-ce que c'était? Viens jeter un œil. Ouais, allez-y, les gars. Ça va être bien, je vous le promets. Tu vas crever toi? Oh putain, mais meurs! Oh! Je vais chercher les clés! Ça marche, je me soigne. Quoi, quoi? On y va! Ok, on y va! Ok, on se trace. Oui, oui, mais je monte. On trace. Vas-y, déconne pas. Ah, j'ai mis illimité. Allez, c'est bon. Non, 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 non.
Vas-y, go, go, go. Go, go, on n'a pas le temps. Allez, go. Vite. Putain, oh, c'est trop badass. Mais c'est trop chaud, putain. Vite. Putain. C'est chaud. Mais c'est chaud de viser, oui. Ah, j'ai le tournis. Mais là, c'est bon, ils vont se crasher. Putain. Waouh. C'est tellement tendu. C'est bon, on est vivant. On est vivant. Vite. Ah non, il y en a encore des vivants là-bas aussi. Ah, bien fait. Karma. Ouais, fonce, c'est chaud là, non? Ah, dégage toi. T'es moche. Ah, mais ça se calme jamais. Mais non, mais là c'est... Oh, dégueu. Wow. On va devoir nager. Ouais. Ouais. Viens par là, ouais, ok. Merci, Jessie. Allez, on sait nager. Joël nous a appris. Pff, c'était tendu, hein. La scène dans la voiture, comme ça. Ok. On rejoint Dina, du coup, ou on continue? Ça va? Ah, je suis au top. Okay. Au top du top. Je crois qu'on est bon. Allez, viens. Allez, viens. Regarde tout ce qu'on peut faire. Merci. On est bien, 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 bien. Voilà. Ok. Est-ce qu'on a un peu de répit, s'il vous plaît? Retour au théâtre. Il va se passer une sacrée scène, à mon avis. Dina! Salut. Oh. T'as l'air d'avoir Jessie, elle va pas sourire autant. Oh, c'est pas vrai. Ah si, elle est contente. Merci. Salut Dina. Oh. Hey. Est-ce que ça va? Faut juste que je me repose un peu. Toi aussi, t'es enceinte? On devrait rentrer à l'intérieur. Ouais, allez, viens. Doucement. Maria t'a laissé partir? J'ai filé en douce. C'est pas mon genre de laisser tomber mes amis. Il paraît que t'es malade? Non, c'est... seulement des maux de ventre. Allez, viens t'asseoir un peu, d'accord? Non, laisse. Oh, t'es pas obligée de faire ça. Oh, ferme-la. Alors, t'es partie. Elle va être jalouse. Un jour après vous, la neige m'a ralenti en arrivant dans l'Oregon. Ça fait 2 semaines que j'enchaîne les journées de 18 heures pour vous rattraper. Ellie, elle est un petit peu triste. Tommy. C'est quoi, c'est un flashback? Yes. Bien? Ouais. Ouais, ça va. Ok. Franchement... 200 plus tôt. Boudé pour si peu. C'est vrai, quoi. J'oublierais mon propre anniversaire si elle était pas là pour me le rappeler. Tu devrais simplement t'excuser. J'ai juste dit que... Bon, d'accord. Qu'est-ce qui va pas? Rien. Pourquoi? Je le vois à ta tête quand ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a, Ellie? J'ai juste à des trucs. Ok. Pas si jamais tu veux en parler. Promis. Ok. Et du coup, on va consulter le journal qui disait « J'ai l'impression que Dina m'évite. Kate dit qu'elle est jalouse que je passe du temps avec elle. J'ai invité Dina plusieurs fois, mais elle dit tout le temps qu'elle est occupée. »
Et après, je sais pas ce qu'elle a écrit. Allongé sur la pierre du haut de ton promontoire, tu suis trace des constellations. Tu traces la ligne sur ta... Je pose l'encre sur ta peau, recouvrant marqué brûlure, illuminant les ténèbres. Je pense que c'est une parole de chanson, à mon avis. Ok, elle est dans la phase de dépression de son adolescence. Peut-être. Il en reste là-bas. De quoi ? Bien. Pas beaucoup. Ok. Tu tires sur quoi ? Tu chasses ? Eh non ! Qu'est-ce que tu fais ? Ah non, désinfecté ? Pas du tout discret. Si tu veux. Ok. Faut faire quoi pour ça? T'es sérieux? Je suis d'ailleurs généreuse. J'avoue. Mais on vise quoi du coup? Tu vois le panneau là-bas? Le rouge. Ouais. Essaie de le toucher. C'est pratique pour les faire sortir de leur échelle. Attends, échette. Rouge? Où tu vois un panneau rouge? Ah là, ok. Vise plus haut. Plus haut ? Là-bas, là, le temps de redescendre. Je vois. Ok. Regarde la route. Essaie de toucher le panneau. Mais... Ils sont capables, essaie de viser pile. C'est bon ? Et voilà ! Putain, c'est les chaud, hein. Les attire. On est en patrouille, oui ou non ? Oh, je suis nul. Merde. Pense bien. Ah, c'est bon, en fait, faut bien viser, en fait. Encore quelques-uns. C'est bon, là. Je t'ai fait un doublé. Ok. Et toi aussi, ça dégage. Si j'arrive. Ça lui a touché les fesses. Il réagit même pas au bruit, lui. Voilà. Mange ça. C'est bon, là, non ? C'est bon, il y en a plus. Yes. En général, on en trouve d'autres par là, si tu veux continuer. D'où est-ce qu'ils sortent ? Ah bon ? Les hordes passent souvent dans le coin en hiver. Il y en a toujours qui perdent le groupe et qui restent derrière. Ils prennent la même route tous les ans ? Comme un genre de migration, ouais. Trop bizarre. Comment ça ? Je pensais pas qu'ils étaient aussi évolués. Tu vois, quand la pression atmosphérique atteint une certaine température, en fait, j'en sais foutre rien. Il est drôle, Tommy, aussi. Regarde le cabanon. On dirait qu'ils sont en train de descendre. Pourquoi ? Un peu plus haut. Mal mort. Regarde près du pick-up là. Ils sont en train de bouffer le cerf. On va avoir faim. Par contre, j'ai pas vu. Ok. Toi aussi. Là, je me suis trop bien débrouillé. Il y a encore deux. Mais où? En fait, je vois pas. Pick-up, il est où le pick-up? Ah, il y en a un là. Ok. T'as ça dans le sang. Oui. Et le dernier. Il est où? Où tu te caches? Petit. Ouais. Ah, voilà. Impressionne. Je sais. Ça a l'air bon. Je te parie qu'il y en a par ici. Ouais, tant qu'ils tombent pas sur nous. Téléphérique. Regarde tout là-bas. Sous les nacelles. Près de la tour. Tu vois ? Dans la tour, elle est là. En vrai, c'est assez malin de nous faire faire des tutoriels pendant les flashbacks. Mais là, c'est plus... C'est encore plus loin. Te précipite pas. Trouve ton rythme. Oui, je me précipite pas, t'inquiète pas. J'ai du mal. Elle retombe vachement, en fait, la balle. Ouais. Oui, je réessaye, Tony. Me mets pas la pression. J'arrive pas, hein. Ça sent l'automne. J'aime ça. Nickel. Il en reste quelques-uns. Vraiment, j'ai du mal. À prendre le coup de main. Ça veut dire que t'es pas assez forte. Mais de loin comme ça, c'est trop dur. Ouais, c'est les gens qui... Eh,
Eh mais c'est chaud cette affaire. Ok. Faut que je capte en fait la distance qu'il faut. Je pense qu'il faut faire encore plus haut. Voilà, comme ça. T'as pris le coup de main. Du coup, comme ça. Et trois. Encore un petit peu plus bas. En fait, il faut que je fasse vraiment plus haut. Mais il bouge trop. Allez. Bien joué. Il y en a d'autres là-bas. Ouais, je sais, j'ai vu. T'inquiète pas. Hop. Faudra que je raconte ça à Joël. Plus bas. Oh, Joël. Il serait si fier de nous. Yep, là. C'est bon, j'espère là, non que Joël oublie pas de remuer le ragoût. Le connaissant, il a dû le laisser cramer. Oh. Ah, j'en vois pas d'autres. Bah, tant mieux. Ouais, moi non plus. On est efficace. Allez. On s'en va. On va voir si Joël est rentré. Ça oui. Manger du ragoût avec Joël. Ah, pardon, je te laisse passer en premier. Donne-moi ça. Eh, Tommy. Merci pour la balade. Oh. De rien. Honneur aux dames. Ok. Je sais que je suis pas censé dire quoi que ce soit, mais... Oui. Mais Joël s'inquiète pour toi. Oh. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Je sais bien, mais bon... Si tu refuses de lui parler, il va forcément croire qu'il y a un truc qui va pas. Mais je lui parle. Ouais, enfin, tu pourrais dire plus que bonjour et au revoir. Oh. Ok. Coucou. Je vais essayer. Ça se trouve, il y a paillettes dans le lot. Va essayer d'être sociable. Qu'est-ce qu'il y a? Bon. Face contemplative. Allez, là-dedans, Joël. Il nous laisse parler tous les deux. Vous qui avez fait tout ce raffut? Ah, juste quelques vagabonds. Ellie m'a montré ses talents de tireuse. Alors, ça t'a plu? Ouais, c'était bien. Je vois que... tu n'as pas encore changé les cordes de ta guitare. Pourquoi? Il faut les changer? Ouais. On t'en trouvera d'autres. Il y a un magasin de musique pas loin. Je suis sûr que tu trouveras ton bonheur. De toute façon, ça fait longtemps qu'on doit jeter un œil dans la zone. Autant y aller. Je monterai la garde. Qu'est-ce que t'en dis? Go. Ok. Allez, on se tire avant qu'il chante. Ah, trop mignon. T'es sûr que tu veux pas venir? Quoi? Vas-y. T'en vas fouiller quand même. Pourquoi y a un Savage Starlight ici? Je crois que c'est à Joël. Oh, c'est les BD qu'on ramassait, non? Trop cool. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Peut-il m'intéresser? Rien ici. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir des... Non. Oui, c'est bon, Tommy, on arrive. Je vérifie que j'ai rien oublié. Des scènes avec Joël et Tommy. Je crois qu'on n'a pas vu beaucoup Tommy en plus dans le premier The Last of Us. Là, c'est un personnage un peu plus récurrent. Bon, on fait pas attendre t'as papa Joël. Corde. Je trouve qu'elle sonne plutôt bien. T'es sûr que tu veux pas venir? Allez, vas-y. T'attends. Allez, c'est parti, on y va. Ok, on y va. Oh, Joël. Allez, suis-moi, Ellie. Ok. Alors, je te suis. Avec Tommy, vous avez croisé quelque chose dehors? Juste quelques infectés quand on était sur la corniche. Et toi? Pas grand-chose. J'ai trouvé deux coureurs dans une maison. Sympa. Jesse m'a dit que tu te débrouillais plutôt pas mal pendant les patrouilles de groupe. Il pense même que t'es prête pour les patrouilles à deux. Oh. Mais moi, je trouve que t'es encore un peu jeune. Je tire mieux que presque tous les autres, pourtant. Et j'ai plus d'expérience. La plupart des nous... Ah, oh, non, c'est chiant comme ça.
Ok, on y va. Let's go. Okay. On y va. Joël. Allez, suis-moi, Ellie. Jusqu'au bout du monde. Alors, avec Tommy, vous avez croisé quelque chose dehors ? J'ai essayé de nous cuisiner. Quand on était sur la corniche. Et toi ? Pas grand-chose. J'ai trouvé deux coureurs dans une maison. Mm-hmm. Jesse m'a dit que tu te débrouillais plutôt pas mal pendant les patrouilles de groupe. Il pense même que t'es prête pour les patrouilles à deux. Oh, yes. Moi, je trouve que t'es encore un peu jeune. Je suis mieux que presque tous les autres, pourtant. Et j'ai plus d'expérience que la plupart des nouvelles recrues qui... Si tu penses que t'es prête, je te fais confiance. Oh. Ok. Merci. Mais je préfère que tu t'en tiennes aux itinéraires les plus courts pour l'instant. Juste le temps que tu prennes tes marques. D'accord. D'accord. Dis-moi, tu te rappelles les comics Savage Starlight que t'aimes bien? Oui, ouais. Celui qu'on a vu. Avec Tommy, on en a trouvé quelques numéros quand on est allé dans l'école l'autre jour. Et alors, ça t'a plu? En fait, je crois que c'est pas trop ma tasse de thé. Le docteur Daniela Starr, elle est plutôt... C'est une sauvage. Ce qu'elle fait avec Captain Ryan pendant leur combat à mort. Ouais. Enfin, il l'avait carrément mérité. Par contre, j'aime bien comment ils font pour s'échapper. Ils s'échappent comment? T'es trop marrant. Je veux savoir. Le magasin de musique est par là. Va pouvoir laisser les choses. Ah, ouais. Ok, ça marche. Paillette, pas de bêtises. Hein. Oh, c'est Paillette. Oh, je savais. Voilà le magasin de musique. Ok. Ouais, je le vois. Ça marche. Tu veux t'aider ? Non. Je vais débrouiller toute seule maintenant. Par contre, là, oui, je... À mon avis, on peut pas passer par là. Quoi ? On passe par où, bon alors ? Sang. Avant, on pouvait traverser à la nage. Bon, on fait quoi, alors ? Si t'es partante, on peut essayer de passer par l'hôtel. Par l'hôtel ? Mais comment... Faut grimper là-haut, non ? Je veux bien, mais comment ? Fais le tour ? Par la porte d'entrée ? Peut-être plus simple ? C'est fermé, chier. Évidemment. Je vais pas me dire de ramper là-dessus. Quoi ? Tu crois que tu peux passer ? Mais c'est tout petit. On peut essayer. Ah oui, ok. Fais attention. D'accord. Je vais essayer. J'y suis! Attends deux secondes! D'accord. Yeah. Est-ce que ça va être comme de le musée et on va penser qu'il y a des gens, mais pas du tout? Plein? Non, je peux être plein. Ah, d'un flashback à l'autre, je garde mes objets peut-être. Ouh là, j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Est-ce que j'essaye de lancer un truc? Non. Ok, donc y'a personne. Si c'est plus trop tranquille, c'est bon signe. Y'a rien là. Et hop, il y a rien. Ok. Nice. Là, j'ai pas oublié un truc. Non, c'est bon. Ok. Au rond. Joël, reviens avec nous. Tiens, salut. Hey. Salut. Impressionné ? Non, t'es trop maigre. Faut manger, tu sais. De rien. Est-ce qu'on va... Papa Joël. Tu penses ? Moi je te suis. Ah, je vais devoir me glisser là-dedans. Oula. Ellie, ça... ici. Ah bah c'est moi qui m'y colle. J'ai trouvé un passage, mais il y a des spores. Ok. Mets ton masque.
Il n'a pas besoin. Je suis obligée. Y a que nous. Et si on croise quelqu'un d'autre? D'accord. On n'est plus safe comme ça. Si on a de nouveau des scènes de combat avec Joël, ce serait trop cool quand même. Arrête de porter ton masque. Tu vas finir par baisser ta garde devant la mauvaise personne. Je baisse jamais ma garde. Tu l'as dit à personne d'autre, j'espère. Non. À Jesse ou Dina? Bien sûr que non. Ok, tant mieux. C'est bon, on peut y aller? T'as fini? Hop là. T'étais déjà venu ici? Non, on a juste patrouillé dehors. Finalement, je me dis que j'aurais peut-être pu. Peut-être. Hop. Je vérifie juste qu'il n'y ait rien. On loupe rien aussi. Hop, hop. Ok, on est bien. T'es où, Joël? Ah, il est parti là tout seul? Non. Il est parti où? Joël? Ouh. Ah, il est là. Oh, mais tu me fais peur, t'as des phases un peu bizarres. Il est mort depuis un moment, on dirait. Ouais. La patrouille est passée il y a combien de temps? Il a fusionné. Je sais pas trop. Il venait de chez nous? Non. Il ne manque personne à Jackson, à part les ados qui ont disparu l'année dernière. Les ados? Non, lui, il est trop vieux. Il devait être seulement de passage. Il s'est passé des choses, alors. Et ici, il n'y a rien. Ça me fait tellement bizarre qu'il y ait Joël, j'ai l'impression que on a toujours été avec lui. Hop. Rien ici non plus. En fait, on passe que dans des chambres vides. Hop. Attendez, je me suis perdue ou pas? Parce que Joël, il est où? Joël? Oh oh. Je suis perdue. Joël? Il est où? Au secours? Par là. Ah ok, c'est bon, j'ai retrouvé Joël. Tout est bien. J'étais perdue. Allez, Ellie. Oh oh, des copains. Ellie, viens là. Oui, je viens. Attends, il y en a un. Mais là, tu fais du bruit. On s'en occupe. Ok. On en prend un chacun, c'est ça? On est furtif. Ok. Ok. Tout ça. Il y en a combien aussi? Y'a pas de soucis, moi, Joël, je gère. Je te back up. Hop. C'est fini? Moi, ça me va si c'est fini. Perso. Ok. Ça va, ça s'est bien passé. Avec Joël, ça se passe toujours bien de toute façon.
On est une bonne team. Tu bouges quoi? Tu bouges ça? Attends, je fouille. Jamais. Non. Pardon, pardon. Attends, on va se mettre à l'abri. Ok. Putain, je vais casser la... briser la jambe. Elle aussi. Avec Joël, ça devient presque amusant. Ah ! Oh non. Bon. Ok, on est reparti. On n'est peut-être pas dans une bonne zone aussi. Attends, 2 secondes. Putain, je croyais qu'il allait me l'amener dessus. C'est fini ? Ah, mais en fait, il restait que lui. Ça va. Merci, même si je suis morte. Si on mettait cette histoire de corde un autre jour. Ouais, je pense que ça vaut mieux. Oh, si près du bus. Pour sortir d'ici, il va falloir qu'on continue à avancer. Ok. Go. Je te follow. J'ai dit, je te follow. Ferme pas la porte derrière nous, non, c'est bon. Ouais, ça se présente pas mal par ici. Ok. Je te suis. Anglos. Faut pas être claustro. J'ai peur qu'on nous chope le visage. J'aime pas ça. C'est encore plus angoissant sans lumière, en fait. J'aime pas, je sens que je vais bondir de ma chaise. Attends. Ouais, on va pas être con. Quoi? Bon, les gars, on est parti. Viens par là, toi. On va t'avoir. Oh, Berk, dégueu. Y a pas d'armes là? Ah putain, tu sors d'où toi? Attends, y'a l'autre. Oh putain, il me fait trop peur. Il est increvable. Merde, j'ai pas pu ramasser. Non, Ellie. Joël, t'as réussi à nous aider? Oh mon dieu. Merci Joël. C'est tendu. Merde. Merci. Tu nous as sauvé la vie. Ouais, clairement. C'est vrai. Câlin. Mais on l'a eu, l'enfoiré. Ah, tu veux pas de câlin? Oh. Ouais, on l'a eu. Ça va? La vieillesse. La vieillesse, tu veux dire?
Non, rien qui résistera à une bonne nuit de sommeil. Oh. Vivement qu'on se tire d'ici. Oui. Bientôt. T'arrives à pousser ça? Oh, quel homme. Ça va en éteindre d'autres, non? Et si jamais il y a deux colosses derrière? Ouais. Ça va aller. C'est toi qui le dis, hein? Je vais mettre ça au calme. Il n'y a pas de sport. Ah, ça a l'air tranquille. On l'a bien défoncé, hein? C'est rare de tomber sur un colosse dans le coin. Ouais. Ouais. Jessie et Dina vont péter un câble quand je vais leur raconter ça. Il se passe quoi entre ces deux-là? Oh. Ils sont ensemble, non? Ah, plus ou moins. Pourquoi? C'est juste la façon dont Jessie parle de toi. Ah, c'est une histoire de longue date. Jessie et moi, on est amis, c'est tout. Oh, allez, je suis plutôt doué pour remarquer ce genre de choses. Peut-être, ah, non. Mais là, tu te trompes. Ah, on verra bien. Ouais, ben, n'espère pas trop. Elle est trop mignonne, Joël. Il soucie nous. Ok. On y est presque. Dolce crema. C'est de la glace, ça, non? Tu crois que tu pourrais te glisser là-dedans? Bah, t'inquiète. J'ai l'habitude. Tu vois ce qui bloque? Ouais. C'est bon. Oh. Merci, Joël. Merci. Ouais. Elle a déjà un tatou. Hey, Joël. Je l'avais pas vu. Je crois que c'est eux. Le couple qui s'est enfui l'année dernière. Ah, parce que c'est marqué J. C'est ça. Elle les a pas remplis encore. Jackson est un endroit merveilleux, mais on ne supportait plus d'entendre les histoires de ces gens qui souffrent partout ailleurs. On voulait sauver des vies, faire quelque chose de bien. Juste après notre départ, on est tombé sur une horde. On s'est fait mordre. On a décidé d'en finir plutôt que de devenir des monstres. C'est un peu raté. Dites à notre famille et à nos amis qu'on est désolés. Adam et Sydney. Je l'ai tué. Mais je suis incapable d'en finir. Je suis qu'un lâche. Adam. Bon sang. Ils étaient pas immunisés, eux. Ouh. La question qui va ressortir. Ouais, il faut... Faut aller chercher Tommy et on rapportera leur corps à Jackson. Hein? Quand tu m'as fait sortir de l'hôpital des Lucioles... Tu m'as dit qu'il y avait des dizaines de gens comme moi. C'est faux. Ouais. C'est ce qu'il m'avait dit. Je connais personne d'autre qui soit immunisé. Et toi? Non. Peut-être qu'il le cache. Comme toi. Tu crois vraiment? Tu crois que c'est le moment de discuter de ça? On a voyagé à travers tout le pays pour me conduire jusqu'aux Lucioles. J'avais 1 million de questions à leur poser. Pourquoi tu m'en as fait sortir avant même que je me réveille? Parce que je les ai laissés faire leur test. Et quand j'ai vu que ça ne donnait rien, je nous ai sortis de là. Comment tu sais que ça donnait rien? Peut-être que si tu leur avais laissé du temps, ils auraient fini par trouver quelque chose. Ils n'ont trouvé aucune
solution. Il est presque convaincant. Il n'y a rien qui aurait pu sauver ces gens, ni qui que ce soit d'autre. Je sais que tu voulais que ça se passe autrement, et moi aussi, je l'aurais voulu. Mais c'est comme ça. Il y a la scène de fin du 1. Il faut qu'on ramène ces deux gosses à leur famille. À moins que tu aies quelque chose à ajouter. Non. Bien. On y va. On va ramener ça. Alors, est-ce que Joel va enfin dire la vérité à Ellie? Je pense que oui, c'est pour ça qu'ils doivent être... qu'ils étaient fâchés, du coup. À voir. Ah. Ça doit faire mal. Il est dans les vapes. Je vais le faire. C'est un mec bien. Pourquoi tu lui as pas dit? C'était pas le moment. Et voilà. Et ça alors? Ça donne quelque chose? Ouais, plutôt. Abby? Non. Cette fille, Nora. Son unité a été envoyée dans un hôpital. J'imagine qu'il récupérait du matériel. Direct sur l'hôpital? Cet hôpital? Ouais. Quoi, tiens? Elle est déjà repartie. Ouais, c'est notre seule piste. Mais tu peux au moins attendre que Jessie se sente mieux, non? Elle sera peut-être partie d'ici là. Mais tu vas tout seul? Oui. Toute seule? On sait où elle se trouve. Peut-être que Tommy le sait aussi. Elle est inconsciente. Tu veux bien venir m'aider avec la porte? Il est dépité. Bon, en suivant c'est la parti. Route 5, je devrais arriver jusqu'à l'hôpital. Et on est toutes seules. Ok. Bon les amis, après ce petit flashback toujours aussi intéressant et émouvant entre Ellie et Joel où on en apprend un peu plus sur leur ressenti à la fin du premier opus, moi je vais vous laisser ici. Au prochain épisode, on ira chercher Nora à l'hôpital. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir en commentaire si l'épisode vous a plu ou à lâcher un petit like. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.